En tout cas, on va pouvoir prendre le feu et on va se téléporter à la zone là, celle que je connais pas là. Ça a l'air d'être en fait ce qu'il faut faire. Genre voilà, là, le grand cimetière, voilà, c'est tous les feux là que j'ai découvert ça. Sanctuaire des lich-feux, et ben voilà, ça c'est le grand mur de l'Autrix, c'est la première zone où il faut aller quoi, en gros. Je sais pas, ça me semble logique en fait. Nous y voilà. Où est le feu? Où est le feu? J'étais pas supposé me téléporter à un feu? Sans venir une grosse couille. Non, ça a l'air d'aller. Alors, grand mur de l'Autrix. Putain de merde. Regardez-moi la taille de cette putain de map. Allez, c'est parti. Bon. Ah voilà le feu. Voilà. Est-ce qu'il y a des murs secrets comme dans Dark Souls 2 où il faut appuyer sur un putain de bouton pour les ouvrir? Ah, il faut deux coups maintenant. Des carreaux standards. Ah, c'est comme dans le 1, c'est comme dans le 2. Il y a tellement d'options de... pour où aller, comment, pourquoi, tu sais pas où aller quoi. Bah écoute, là ça a l'air d'être relié à rien du tout. On va d'abord aller là. Mais eux, tant qu'ils s'occupent pas de moi, je leur fous la paix. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Épée longue. Est-ce que l'épée longue est mieux? Ça n'en a pas l'air. Alors eux, je les ai tués en un coup par contre. C'est toujours ça de pris. Il y a l'air d'en avoir des plus solides en fait, mais comment, pourquoi? Ils ont pas trop l'air de s'occuper de moi, donc... Putain, on va pas s'occuper d'eux aussi, et ils sont très bien où ils sont, je sais très bien où je suis. Ça a l'air de marcher. Putain, mais c'est un dragon. Ah, mais c'est un dragon cette merde! Effectivement, c'est un dragon. Je peux pas le péter pour récupérer la queue, non? Mon épée de dragon me manque. Elle était hyper balèze. Salaud. Ok. Des jumelles. Jamais compris l'intérêt de cet item. Reste à explorer là, ça serait plus la zone là et la zone qui était à côté de la griffe du dragon là. Ah, mais qui est justement un truc pour ça. Ok. Ça, voilà. Tac. Résine de pin doré. On met un effet de foudre sur nos armes, c'est très bien ça. La tradition, le tour de roulade dans toute la baraque, comme d'habitude. Ah,
Ok, elle va rien du tout. Ah, toi t'as un truc par contre. Des bombes incendiaires, très bien. Très très bien. Alors là il y a un passage, ok. Donc là on a un petit truc qui descend. Et on va voir. Bonjour messieurs dames. Faudrait vraiment que j'essaye de plus tenter les parades comme ça en fait. Merde. Là ils sont beaucoup par contre, faut pas que je me rate. Là, ils avancent doucement, ils sont dans Resident Evil, c'est très bien. Est-ce qu'il y a la queue qui dépasse sur la droite? Non. Il a rebuté tout le monde. Est-ce que je n'aurais pas un truc gratuit là? Un moyen de... Ah. En fait ouais voilà, il attaque chaque fois que j'essaye de passer en fait. J'arrive là, bonjour. Et là, je peux passer par en bas. Normalement. C'est ça. Sauf que là, c'est trop tard pour agir. Bon, super. Le truc, c'est que j'ai peur qu'il stone et qu'il grappe cette zone là. Parce qu'il peut le faire hein. Chevalier noir. Waouh. Le genre le coup de bouclier comme ça dans la gueule là. Oh t'es sérieux là? Oula j'ai eu du vol. Putain c'est beaucoup plus vénère par contre. Les mecs, vraiment, ils... Je l'ai eu, putain. Foiré. Voilà, putain. Je l'ai eu au contre, assez au hasard, on va pas se mentir, mais je l'ai eu quand même. Lame de corps abandonnée. Bien. Très bien. J'ai pas compris, c'était un chevalier noir alors le truc qui était. Oula. Je suis pas descendu comme ça monsieur. Enfin. Bon, je vais finir ce bâtiment là plutôt, enfin si je peux, il y a une grille, ça se trouve c'est fermé. Ouais voilà. Bah du coup, ouais non attends, je vais peut-être tenter... Enfin, j'aimerais tenter plus de passer avec le dragon là.
Les salopards, une mimique en début de jeu. Une mimique en début de jeu. From Software, putain. Premier coffre, une mimique. Fils de la mésame. Et la vilaine mimique. Comment on est supposé se la faire? Je me le demande. On fait comme les boss. Deux coups. Et on tourne. Ah, je pouvais même lui donner un troisième là. Ah, la mimique est très maladroite. Donc voilà, c'est pas très dur. Faut juste pas qu'elle nous chope quoi. Hache de guerre abyssale. Ça a l'air d'être une meilleure hache. Ah, elle fait des dégâts des ténèbres. Les dark. Eh ben écoute, pourquoi pas, on va voir. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est une porte. Je l'ai ouvert du bon côté. Ouais, voilà, c'était la porte voilà, qui était bien et bien fermée. Ok. Je peux me mettre sur la droite et je peux aller chercher l'objet qui est au fond là. Tac, c'est parti. Ah, elle ferme, elle m'atteint pas là. Claymore. Là. Je suis sûr qu'il y a moyen de se le faire ce salopard, mais tant que j'ai pas d'arme à distance ni rien, je sais pas si je peux le faire. Déjà vu. Je vais juste aller. Voilà. J'ai l'objet qui est là. Tac. Je vais mettre là. Et voilà. Mais voilà. Tout bêtement, tout simplement. Il y a autre chose ici. On peut rien faire sur le corps du dragon. Je sais pas à quoi ça sert cet endroit. C'est pas du tout. À quoi ça sert? En fait, je sais pas en fait si c'est continué ou si c'est l'autre qui est continué en fait. C'est ça qui est vraiment dommage. Lui est bien mort au moins. Ennemi redoutable droit devant. Je peux revenir là au moins? Je vais d'abord explorer le sous-sol. Les salopards ils sont en dessous, ils attendent que je vienne. Ah non, en fait c'était il attend que je vienne. Voilà. Hallebarde, je te remercie. C'est verrouillé. De lancer. Qu'est-ce que je fais? C'est dingue ça. Non, y avait rien. J'étais fou de me protéger quand même. Perce-maille. J'ai l'impression d'être revenu plus ou moins. Verrouillé. Ça, c'est le chemin. Bon, bah, dès que j'aurai la clé pour un prisonnier, je pense que voilà.
pas vu, mais il y a un truc pour monter là. Il y avait un feu ici, bordel. Non mais je rêve. Moi je me fais chier à faire des allers-retours. On va donc pouvoir continuer cet endroit. Alors... Personne n'attaque, tout va bien. Wow! Ah d'accord. Oh là là. Là, je sais pas comment le vaincre. Je ne sais pas du tout comment vaincre ce truc. Il fait beaucoup trop mal. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Putain, c'est un. Je l'ai eu. Putain. J'avais pas vu que c'était. Je croyais que c'était un truc à ramasser. C'est une de ces merdes là qu'il faut absolument péter. Alors, par contre, ouais. Je sais pas comment je la fais. Mais je veux pas utiliser la résine de Padoré pour ça en fait. J'ai 20 bombes incendiaires. Est-ce que ça ferait le taf? Ah oui! Ils aiment pas du tout le feu apparemment. Et moi j'aime pas leur coup. Ouais, c'est pas une bombe ensuite aller attaquer. Bon ben voilà, ils aiment pas le feu. Ils aiment pas le feu, ces trucs là n'aiment pas le feu. Voilà. Et voilà. Tout bêtement. Fragment titanite et braise. Voilà, à mon avis c'est quand même un truc assez rare à choper. C'est pas le petit machin quoi. Hop là. Bon. Donc lui c'est fait, on peut avancer. Ça a l'air d'être un gros costaud celui-là. Ça va, une fois que t'as bien compris, en fait voilà, il faut se servir des éléments aussi, y a pas à tortiller. Je me disais aussi que je chopais beaucoup de bombes. Putain, j'ai eu beaucoup de bol là par contre. Par contre c'est bon là. Mais c'est bon, putain. Oh la vache. Connard. Voilà. J'ai pas attaqué au lieu de me soigner, je suis débile.
Voilà. Oh, ils sont pas bien durs. Ils sont pas bien durs. La lance de Rodrick. Tout le monde s'en fout. Attention, gauche. Ah oui, le vilain. Découverte incroyable droit devant. Une épée large. Assez là, je sais pas où il faut aller. Je suis un petit peu perdu. Les fleurs vertes, ça y est. Au moins on mourra stone. Smoke weed every day. Ne vous droguez pas. C'est un coffre, c'est un vrai coffre, c'est bon, tout va bien. Rempart de l'aigle d'argent. Hein, il a l'air de mieux protéger que mon bouclier actuel. Très bien. Tiens. Je suis un connard. Un énorme connard. Putain. Oh là là, je suis nul, mais nul. Là c'est à gauche, voilà. Ce que je veux, voilà, c'est aller par là. Peut-être pas la même chose, peut-être que c'est justement plus court et que je rate un truc là. Ah d'accord. Il est où? Il a fait le tour, le chien. Ah la vache, mais c'est rapide! Oh là là, mais c'est hyper fluide et rapide comparé aux deux. Oh, oh la vache, le 1 et le 2 c'est lent, mais alors eux là... Connard de chien. Et en plus, dès qu'on leur donne un coup, ils sont expulsés, donc ils sont hors de portée, c'est dégueulasse. Voilà, mort. Vachement solide ce avec la hache, hein. Mon dieu.
Ils sont solides. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on avait de ce côté-là? Lève pas, les mecs attaquent tellement rapidement, j'ai maintenu le bouton pour lever le bouclier, et ben le bouclier s'est jamais levé tellement ça a été rapide. Oh la vache, non mais l'autologue c'est vraiment de la merde. Il fait n'importe quoi. Oh, c'est pas possible. Bon du coup, ça servait à quoi cet endroit là? Apparemment à rien du tout. Ah, ça servait à rien. C'est juste un lieu où il... voilà. Terminé. Bon du coup voilà, ici on n'y reviendra plus. Au courant, c'est bon, c'est fini. Là en bas. Hop là. Impossible d'ouvrir de ce côté. Bon. Voilà. Putain mais j'arrête pas de survivre avec le dernier petit point de vie, vous savez. C'est dingue. Oh la vache. Voilà. Fragment d'estus, parfait ça. Je crois que les fragments en fait ça fait ça doit juste les améliorer en fait. Ça doit juste améliorer la quantité de soins. Ce qui est déjà pas mal hein, on va se mentir. Clé de cellule. Ah bah j'ai la clé pour l'autre monsieur là. Qui sait, il me donnera peut-être quelque chose en échange. Alors ici ça va où? C'est rien nécessaire. Quelle bande de trolls. Bon, alors du coup ouais voilà, c'est pour descendre là dedans mais quelque chose me dit que j'avais forcément crevé là. Voilà mon petit. Alors on a utilisé la clé de la cellule, on a pu libérer le monsieur. Vous faites partie des geôliers, pas vrai? Non, on voit que vous arrivez de loin. Et si j'en crois la cloche, vous devez être l'une de ces mortes flammes. Époustouflant, si c'est bien le cas, j'ai une faveur à vous demander. Au pied du grand mur se trouve une petite bourgade un peu miteuse. Vous y trouverez une vieille femme du nom de Loretta. J'aimerais que vous lui remettiez cet anneau. Je ne vous demande pas de me rendre ce service par bien bonté d'âme pour tout dire. Si vous faites ça, j'ai pas vu. Je vous rendrai la politesse en donnant de ma personne. Je ne suis qu'un humble larron, mais j'ai plus de jugeote que certains ronds de cuir. Alors qu'en dites-vous? Bah si tu veux, oui. Très bien, je vais accepter de vous faire confiance, je suis Greera du camp du mort-vivant et je vous promets d'agir en ami fidèle. Allez remettre cet anneau à Loretta, la vieille femme qui vit au pied du mur du grand au pied du grand mur. Respectez votre part du marché et je respecterai la mienne. Alors, on va porter l'anneau en attendant pour voir la... après pour la donner. Améliore l'absorption des dégâts quand vos PV sont bas. Ouais, super. Ok, bon voilà, on a donc libéré notre copain. Bah je crois que là tout ce qu'il y a à faire c'est d'aller descendre en fait dans la fosse au lion là avec tous les gros trucs.
Ce qui n'est pas du tout pour me rassurer.